tous, aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être nos curly routines parce qu'on n'a pas le même type de cheveux chacun, donc je voulais vous montrer un peu comment on s'en occupe. Donc la plus grosse partie va être quand même moi parce que j'ai beaucoup plus de cheveux et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, mais j'ai quand même rajouté les enfants pour les mamans d'enfants aux cheveux métissés. Donc je commence par moi, je me lave les cheveux à peu près tous les 10 jours, donc là j'utilise en ce moment la gamme aussi Miracle Moist, donc je mets le shampoing et je vais mettre le shampoing que aux racines, je vais bien frotter, donc ça va être pour enlever toutes les saletés, les impuretés, mais aussi les traces de gel quand j'attache mes cheveux, et vraiment c'est important de ne le faire que aux racines pour éviter d'assécher vos cheveux. Quand vous allez rincer vos cheveux, le shampoing va descendre sur les longueurs et pointes, ça va un peu laver mais c'est jamais très sale, c'est surtout au niveau de la racine que ça l'est, et vous allez voir que de toute façon en mettant votre shampoing, même vos racines deviennent hyper sèches, donc si vous le mettez sur vos longueurs et vos pointes, c'est mort, vous allez vous abîmer tous les cheveux. Donc je rince bien, je fais bien passer le shampoing de partout. Une fois mon shampoing fini et rincé, je vais essorer mes cheveux, donc ça c'est important que vos cheveux ne soient pas trempés, vous les essorez, et là je vais mettre un soin, donc c'est un leave-in de chez Cantu que j'adore, même Walid l'utilise parce que ça y est je l'ai mis au diapason, je l'ai obligé à mettre du soin dans ses cheveux, c'est quelque chose qu'il ne faisait jamais avant, et je lui dis mais c'est mort en fait, quand t'as les cheveux frisés, que ce soit des cheveux maghrébins, antillais ou d'Afrique noire, n'importe, tu mets du soin, c'est tout. Bref, du coup il met ce soin, il l'adore, moi aussi je l'adore. Donc je vais le mettre sur toutes mes longueurs et pointes. Si j'ai les cheveux très très secs, même aux racines, je monte. Hein. Franchement, n'hésitez pas, si vous avez les cheveux secs, ne pensez pas que ça va vous les rendre gras. Vous montez, là pour le coup ça allait. Et je vais prendre une grosse brosse qui vient de chez Primark avec des picots bien durs. Et je vais me brosser les cheveux. Donc comme ça, ça m'enlève tous les cheveux morts parce que j'ai les cheveux toujours attachés. Donc si vous voulez, les cheveux qui de base tombent, ben moi ça reste dans mes cheveux vu qu'ils sont attachés. Donc là, ça permet de tout enlever, plus les cheveux qui tombent à cause de l'accouchement. Donc je vais bien démêler, ça c'est important. Et ça va être en fait le seul moment sur les 10 jours où je vais me démêler les cheveux. Ça peut arriver que des fois je me les remouille et je démêle, mais c'est super rare. Donc c'est pour ça que je le fais bien. Ensuite, je vais attacher mes cheveux et je vais continuer ma douche normalement, rasage et compagnie. Et enfin, je vais rincer mes cheveux. Donc normalement, c'est une crème sans rinçage, mais moi, je l'utilise comme un masque quand je suis sous la douche et ça pose aucun problème. Donc je vais rincer. J'appuie bien au niveau des longueurs pour rincer, mais pas pour les pointes. Je laisse vraiment les pointes garder le maximum de soin. Une fois mes cheveux complètement rincés, je vais les essorer en les tournant, donc ça je le fais deux fois pour enlever le maximum d'eau, et ensuite je vais les envelopper dans un t-shirt. Donc c'est ce que je fais quand vraiment je vais avoir des belles boucles, j'évite de les sécher à la serviette parce que ça va vous casser toutes les boucles, en plus ça va faire grincer vos cheveux, franchement c'est une sensation horrible. C'est vraiment mieux de prendre soit une serviette en tissu microfibre, soit de prendre un t-shirt. J'ai pas de microfibre, je trouve qu'elle sert à rien, clairement je vous le dis, j'ai l'impression que ça ne sèche pas du tout. Donc ce que je fais, c'est que je prends un vieux t-shirt et je vais emballer mes cheveux dedans, donc je vais me faire une espèce de petit turban pour que ça essore le maximum. Et une fois que mes cheveux sont bien emballés, c'est à ce moment-là que je mets mon dernier coup de jet d'eau pour enlever tous les cheveux qui collent. Je le fais toujours à ce moment-là parce que si vous avez encore les cheveux détachés, surtout s'ils sont longs, ça sert strictement à rien. Vous allez vous mettre de l'eau et encore des cheveux qui vont passer. Donc là, j'attends d'avoir vraiment les cheveux bien attachés. Une fois le t-shirt enlevé, vous voyez ce que ça donne. Mes cheveux sont frisés mais ils sont hyper épais, les boucles ne sont pas belles du tout. Donc je vais reprendre ma crème et cette fois-ci je vais en mettre beaucoup moins et je vais en mettre de partout sur mes pointes et longueurs. Ça va être vraiment pour hydrater les cheveux. Je vais repasser un coup de brosse histoire de démêler parce que ça s'est un peu emmêlé et aussi histoire de mettre le leave-in de partout. Et là, je vais passer à la meilleure étape, donc la nouveauté que j'ai connue grâce à ma petite sœur, que je connaissais déjà d'avant, mais j'avais jamais sauté le pas, c'est le gel de lin, vraiment, mais c'est juste magique. Je vais vous montrer juste après comment je le prépare, c'est super simple. Donc je vais en mettre de partout, je monte même jusqu'aux racines.
Donc maintenant je vais vous expliquer comment je fabrique mon gel de lin. Donc moi les proportions c'est toujours à l'arrache, vous savez, hein, comme pour la cuisine. Mais si vous voulez des proportions exactes, c'est à peu près un demi-verre de graines de lin pour 2 à 3 pots d'eau. C'est aussi simple que ça. Moi j'avais mis un peu trop d'eau et du coup je vais le refaire par la suite, je vais vous montrer juste après. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre mes graines de lin avec l'eau, je vais mettre à feu moyen. Et je vais attendre que l'eau se gélifie, aussi simple que ça. Donc vous allez attendre à peu près une dizaine de minutes. Il va y avoir de la mousse, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et en fait vous allez prendre votre cuillère comme ça et vous allez vérifier à chaque fois que l'eau se gélifie. Une fois que votre eau est assez gélifiée, vous allez prendre un petit récipient, vous allez mettre un chinois et vous allez mettre votre du coup mélange eau et graines de lin dessus et vous allez faire passer en fait le gel par le chinois. Moi comme je vous ai dit c'était un peu trop liquide, j'ai remis 5 minutes à la casserole mais voilà en gros ce que ça vous donne, il faut juste que ce soit un tout petit peu plus épais que ça, là c'est un peu trop liquide mais voilà ça va être à peu près comme ça. Et comme je vous disais juste avant, je vais en mettre de partout, des racines jusqu'aux pointes. Et vous voyez la différence entre la partie qui a été faite et la partie qui n'a pas été faite. Vraiment en fait ce qui est bien avec ce gel de lin, c'est que déjà il est naturel, il est pas cher, ça se fait super vite. Mais surtout ça va vous enlever tout le volume et ça va vous définir vos boucles. Mais c'est quelque chose, c'est un truc de malade, faut vraiment le faire. J'ai vu des milliards de vidéos là-dessus et j'ai jamais osé sauter le pas. Et en fait quand ma petite sœur m'en a parlé, je me suis dit bon... On a les mêmes gènes, on a les mêmes cheveux, si elle me dit que c'est vraiment bien, je vais tester et vraiment j'ai été agréablement surprise. Comme vous voyez, il n'y a plus trop de volume et quand vous allez passer votre brosse pour définir vos boucles, vraiment ça va être une définition mais de malade mental. Vraiment c'est magnifique et ça va rester comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je repasse un bon coup de brosse comme je vous ai dit pour définir les boucles. Donc là c'est pas pour démêler, c'est vraiment pour définir. Pour définir vos boucles avec la brosse, c'est aussi simple que ça, vous la passez et vous attendez que vos boucles redeviennent naturellement frisées et avec le gel ça va les fixer comme ça et vous aurez juste à passer un coup de sèche-cheveux. Donc moi pour le sèche-cheveux je le mets en mode normal et je sèche mes cheveux mais le mieux ce serait quand même de prendre un diffuseur. Je vous avoue que j'ai pas le temps parce que j'ai l'impression que le diffuseur ça met beaucoup plus de temps à sécher que quand on met l'embout normal. Donc du coup je me sèche les cheveux comme ça. Le seul problème c'est que du coup ça fait un peu plat sur le dessus donc pour pallier à ça, des fois je mets ma tête en arrière et je passe le sèche-cheveux pour donner un peu plus de volume. Une fois sec, j'ai juste à m'attaquer au baby hair. Donc je mets du gel, cette fois-ci c'est pas le gel de lin, je mets du gel lambda acheté en magasin et je vais plaquer mes baby hair devant pour que ça fasse beaucoup plus structuré. Ensuite place à la routine de baby, donc franchement il n'y a rien de fou, je prends juste une eau nettoyante que je lui mets sur ses cheveux, j'attends que les petits cheveux frisent et voilà c'est aussi simple que ça, il n'y a rien de fou, je ne mets pas encore de produit mais voilà je voulais quand même vous montrer si jamais vous avez un petit bébé aussi petit, vous avez juste à mettre soit de l'eau nettoyante, soit de l'eau tout court ou même de l'eau florale. Bon du coup je vous reprends, je me suis mis en pyjama parce qu'on va pas sortir de la maison, il fait un peu frais donc du coup je me suis mise en pyjama. Donc voilà ce que ça donne. Une fois complètement sec vous voyez que voilà les boucles sont hyper définies mais j'ai pas trop de volume, j'en ai quand même, c'est pas tout raplapla mais j'en ai pas énormément. Il faut savoir que si je mets pas ce gel, j'ai vraiment comme ça, ça fait un casque même de là comme ça. Jusque là, donc le gel ça permet de moins avoir de volume et de surtout définir les boucles. Quand même on voit, je sais pas si on va bien voir, elles sont hyper définies et elles tiennent aussi.
Donc ce qui est bien aussi avec ce gel, c'est que par exemple le soir quand vous allez vous coucher, vous faites un panier, donc c'est-à-dire que vous prenez tous vos cheveux comme ça et vous allez les attacher en hauteur pour que derrière ça s'aplatisse quand vous allez dormir et que ça aplatisse pas vos boucles en fait. Et le lendemain, désolée, un peu le bazar, et le lendemain vos boucles vont rester intactes grâce au gel parce que du coup elles sont quand même assez souples, vous voyez elles bougent, elles sont pas non plus hyper figées, mais elles sont quand même un minimum figées pour que après 2 à 3 jours vous ayez toujours vos boucles. La seule chose qui va changer c'est que du coup en dessous ça va un peu s'aplatir ici aussi, donc du coup vous aurez des boucles un peu moins resserrées, elles seront plus comme ça. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup beaucoup ce gel qui est du coup naturel, qui coûte pas cher, qui prend 5 minutes à être fait. Et franchement c'est quelque chose de magnifique sur les cheveux. Apparemment ça scelle l'hydratation, ça je saurais pas trop vous dire parce que je suis pas non plus une experte de cheveux. Je sais que mes cheveux voilà sont quand même assez hydratés, ils sont doux, ils sont pas tout secs quand je le mets. Mais c'est pareil pour n'importe quel soin, donc je saurais pas vraiment vous dire si vraiment ça scelle l'hydratation ou pas. Mais en tout cas ça scelle les cheveux d'un minimum pour pas trop qu'ils bougent. Et il reste quand même assez souple. Et maintenant, on va passer à la routine de Maddy qui n'a pas changé depuis des années. Mais si jamais vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vais vous remontrer. Donc pour Maddy, j'utilise la gamme Ultra Doux de chez Garnier qui est vraiment top pour lui parce qu'en fait, il a les cheveux frisés mais très très fins. Il les a pas un peu crépus comme moi par exemple, je pourrais les avoir. Donc ce que je fais, c'est que je lui lave les cheveux normalement tous les 10 jours. Mais bon, en ce moment, il joue beaucoup dans le jardin, il se retrouve avec du sable, de la terre et tout. Donc en fait, dès que c'est sale, je nettoie. Mais dans l'idéal, quand il se salit pas trop, c'est tous les 10 jours. Donc avec la gamme Ultra Doux, ensuite je rince, je fais bien attention à lui mettre la tête en arrière, il aime pas trop avoir de l'eau sur la tête, mais bon, on essaye vraiment de l'habituer parce qu'il y a un moment donné, il faut toujours se laver les cheveux, on peut pas sauter cette étape là. Et ensuite je vais lui poser le masque de la même gamme sur tout l'ensemble des cheveux, donc en ce moment il m'aide, hein. Il met aussi un peu son masque et on va laisser poser comme ça une dizaine de minutes. On va coiffer les cheveux. Lève ta tête, Maddy, lève. Voilà. Non mais mets ta tête comme normal, voilà. Comme... Maddy, regarde la caméra. Ça c'est interdit, maman. C'est quoi qui est interdit? Ça. Non, c'est pas interdit, si tu vois quoi. C'est interdit. Maddy, regarde la caméra. Tu te dis je m'appelle Gérard. Gérard. Non, j'appelle Maddy. Regarde la caméra. Tu te dis j'ai 60 ans. Les cheveux longs quand même, hein. Les cheveux qui sont c'est là. C'est moi, c'est moi. Oui, ils arrivent jusque là. Petite bouclette blonde de Maddy. On refrise. Il y a juste à faire ça, ça refrise. Non. C'est plus Gérard. C'est Maddy. Une fois que le soin a bien posé, pareil, on va rincer toujours la tête en arrière, évidemment, pour éviter que le produit aille dans ses yeux. Donc une fois qu'on est sorti de la douche, que je lui ai séché les cheveux un peu avec une serviette, je vais lui mettre le soin qui est sans rinçage. Donc ça, c'est aussi ce que je lui fais en fait tous les jours, par exemple avant d'aller à la crèche. Je lui mouille un peu les cheveux et ensuite je mets ce soin-là. Donc je répartis de partout et ensuite je vais passer la brosse. Obligée de passer la brosse pour refaire des belles boucles. Et ensuite, je vais lui sécher au sèche-cheveux. I'm a
Donc voilà un petit aperçu de ses cheveux avant qu'il soit sec. Donc voilà, vous voyez qu'il a des belles petites boucles, il est autant frisé que moi, mais il a vraiment une texture très douce, très souple. Et qui n'est pas du tout crépus. Donc voilà ce que ça donne pour ses cheveux secs avec ses petites boucles blondes. Il a même le bout carrément platine. Vous voyez qu'il a les cheveux bien bien frisés et ils sont super souples et tout doux. Donc maintenant on va passer à Noé, normalement il le fait tout seul mais pour la vidéo bah, du coup je lui ai fait pour vous montrer. Donc pareil, il va passer comme moi au shampoing avec la gamme de chez Aussi Miracle Moist. Donc ça c'est la gamme qui lui convient le mieux parce que Noé a les cheveux frisés mais il a des mèches lisses. Donc on va comprendre d'où ça sort mais en tout cas il a des cheveux qui sont frisés, d'autres qui sont lisses. Mais surtout il a les cheveux tellement épais, tellement drus, c'est quelque chose, je sais pas d'où il sort ça mais vraiment il a les cheveux très dru, donc du coup c'est la seule gamme qui arrive à vraiment bien lui hydrater les cheveux et les rendre un peu plus souples. Donc du coup je lui ai passé le shampoing, ensuite il se rince lui-même vu qu'il est grand. Et on va passer du coup à l'après shampoing que je vais lui mettre sur la tête et pareil il va le laisser poser une dizaine de minutes. Une fois que son soin a été posé, qu'il l'a rincé, qu'il s'est mis en pyjama, là c'est moi qui lui mets à chaque fois. Il essaye de le faire quelques soirs quand j'ai pas le temps, mais la plupart du temps c'est moi qui lui fais. Je lui remets pareil l'après-shampoing sur les cheveux et cette fois-ci je vais pas rincer. Et je lui mets de partout et souvent je suis obligée de mettre la double dose parce que je vous ai dit, il a les cheveux très très drus. Et du coup j'en profite pour lui faire des massages. Donc voilà, monsieur Noé a souvent des massages à la tête, il adore ça. Je lui descends dans la nuque et tout, il aime trop et puis du coup ça fait pénétrer le soin donc c'est pas plus mal. Et donc du coup je masse de partout et je vais vous montrer juste après comment sont ses cheveux. Donc comme je vous disais, il a des mèches lisses et des mèches très frisées, des mèches beaucoup moins frisées. Donc c'est aussi pour ça qu'il a cette coupe courte que Maddy n'a pas. Maddy on lui laisse bien les cheveux frisés sur le dessus parce que toutes les boucles se ressemblent. Mais Noé, il y a vraiment trop de textures de cheveux différentes. Donc le plus joli pour lui c'est d'avoir une coupe courte sur les côtés et sur le dessus il lui reste des cheveux mais quand même assez courts. Et donc voilà, notre petite curly routine est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé pour vous-même ou pour vos enfants. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Bisous !